Alors, c'est un seuil jamais dépassé dans l'histoire boursière. Aucune entreprise cotée, bien sûr cotée, avant Apple, n'a franchi ce cap symbolique des 3 000 milliards de dollars en bourse. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Voilà, la firme à la pomme qui est valorisée, seuil symbolique 3 000 milliards. C'est autant que la dette française. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est inepte, c'est idiot, c'est bête de rapprocher ces deux chiffres. Ben, disons que c'est moins bête que de comparer une valorisation boursière et un PIB. Un PIB, c'est un flux, c'est de l'argent gagné à un moment donné. Alors que une valorisation, c'est un stock, hein, c'est comme un actif ou un actif ou un passif. Et là, on compare effectivement l'actif d'Apple et puis en tout cas en termes de valorisation de sa valeur et puis la valeur de la dette de la France. Bon, toute comparaison s'arrête là, évidemment, puisque la valorisation d'Apple, elle est supposé fluctuer Oui. constamment, et d'ailleurs on vient de le voir puisque l'entreprise valait 2000 en janvier et maintenant 3000, donc effectivement on est sur une autre planète. Bon, est-ce que le modèle économique, le business model d'Apple, est-ce qu'il est vraiment redoutable? Est-ce qu'il réussit le tour de force de générer 100 milliards de dollars de bénéfices sur le dernier exercice, à la fois avec les appareils et puis à la fois avec les services? Oui, alors c'est vrai que ce qu'on valorise aujourd'hui particulièrement, c'est les entreprises les plus profitables. Et sur ce plan-là, Apple n'a peur de personne, parce que d'autant plus pour une entreprise industrielle, hein, qui quand même fabrique des produits, hein, et pas uniquement un vendeur de logiciels, eh bien, elle arrive à avoir un résultat net qui fait 25% de son chiffre d'affaires. C'est absolument hallucinant. Au premier trimestre de cette année, elle a gagné 20 milliards de dollars. Donc, c'est absolument considérable. Alors, est-ce que c'est son modèle, à son modèle qu'elle tient ça? Évidemment, hein, son modèle, il est tout à fait unique. C'est de marier à la fois l'usage, le logiciel et puis le matériel, et de concevoir l'un en fonction de l'autre. C'est ce qui lui a réussi d'abord, effectivement, sur les ordinateurs, puis sur les iPods, puis enfin, évidemment, l'apothéose, en quelque sorte, c'est l'iPhone, hein, qui est aujourd'hui l'instrument le plus avec le plus grande ubiquité, qui sait à peu près tout faire. Et ça, on le doit quand même beaucoup à Apple. Et puis surtout, ce qui fait évidemment sa force, c'est que Apple, c'est un price maker, c'est-à-dire qu'il met en gros le prix qu'il veut à son matériel, parce que les gens sont prêts à l'acheter. Et en quelque sorte, le meilleur exemple finalement de la pertinence de ce modèle, c'est que quand Apple a sorti son iPhone, c'était pas un téléphone de plus, c'était un téléphone avec des applications, des apps, et c'est lui qui a inventé ce système-là, alors qu'avant, pour faire de l'internet sur son téléphone mobile, c'était très compliqué. Donc on voit bien que ce modèle vertueux pour l'instant, ça tient à cette étroite imbrication, Ouais. et c'est ça qui fait sa rentabilité, c'est sa capacité à imposer ses prix dans un domaine qui pourtant est très Ouais. compétitif. Tout ça sans aucune usine en propre. Parce qu'Apple ne Alors, fabrique pas. c'est ça. Alors, il y a une petite incompréhension. Effectivement, Apple, c'est, vous savez, comme marqué Design in California and Made in China. Et c'est vrai que Apple se concentre sur la conception et sous-traite la fabrication à des entreprises essentiellement beaucoup asiatiques, mais il y en a des européennes, il y en a dans le monde entier. Là où on se trompe un petit peu, c'est de penser que Apple n'est pas du tout un industriel. Or, en fait, ces sous-traitants, ils sont totalement sous la coupe d'Apple. C'est-à-dire que c'est Apple qui conçoit les produits, qui envoie des ingénieurs pour surveiller ce qu'ils font, qui leur dicte la façon dont ils vont le fabriquer, etc. Et donc, c'est une forme d'industriel d'un nouveau style qui n'a pas l'appareil de production en soi, mais qui maîtrise quand même totalement cet appareil de production et sa chaîne de valeur. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que le PDG actuel,
C'est le chef des opérations, c'était sous l'ère de Steve Jobs, du fondateur. Et bien, c'était lui qui avait la main mise sur l'ensemble de cet appareil, de cette chaîne de valeur. Et une grande partie du succès d'Apple, ça vient de cette maîtrise. 50% de hausse donc du cours de l'action Apple depuis le début de l'année. Une ascension spectaculaire évidemment. Est-ce qu'elle est méritée ou pas? Parce qu'il faut se rappeler que 2022 ça a été une année compliquée, voire noire pour les valeurs de la tech. Et en même temps, ce qui a porté le Nasdaq depuis le début de l'année, 80% de la hausse s'explique sur cette valeur évidemment, dont c'est les GAFA avec Apple dedans et Tesla et Nvidia. Et en même temps, Apple n'a pas vraiment communiqué autour de l'intelligence artificielle, contrairement à d'autres. Oui, alors c'est ça qui est effectivement très surprenant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie bulle qui est celle de l'intelligence artificielle, où on arrive, on en avait parlé ensemble, à valoriser des entreprises qui sont à peine créées, qui viennent juste de s'asseoir derrière leur bureau, elles ont déjà une centaine de millions, voire plus. Donc là, on est dans un phénomène de bulle. Dans le cas d'Apple, ça n'est pas le cas. On valorise une entreprise qui est extraordinairement rentable, comme on vient de le dire. Et en ce moment, ça rassure les gens, il y a de l'inflation, il y a de l'incertitude économique. Donc, ça rassure les investisseurs d'aller vers des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc, on valorise. Alors, la question, c'est est-ce qu'on survalorise une entreprise qui gagne beaucoup d'argent comme ça? Oui, probablement. C'est-à-dire que, en fait, elle vaut beaucoup d'argent, mais est-ce qu'elle le mérite? Alors, ce n'est pas une question de mérite, hein, en quelque sorte. C'est juste une question un petit peu d'opportunité où les investisseurs se replient sur quelques valeurs. Ils ont délaissé les valeurs technologiques en 2022. Là, ils se reportent sur quelques valeurs très rentables comme effectivement Facebook, Google ou Apple. Même si dans le cas d'Apple, ils ne sont pas sur leur, enfin, ils ne communiquent pas sur l'intelligence artificielle. Leurs résultats sont tout à fait en ligne, mais il n'y a pas eu d'annonce stupéfiante qui aurait justifié que tout d'un coup ils gagnent 1 000 $ de plus. Et donc c'est vraiment une position un peu défensive plutôt de la part des investisseurs. Et c'est donc en quelque sorte une espèce de valeur refuge dans des temps troublés. Après, Apple vaut aujourd'hui 30 fois ses résultats à venir. Juste avant le Covid, juste avant la pandémie, on était à 20 fois le PER, ratio cours sur bénéfice. Est-ce que cette expansion des multiples de valorisation est justifiée? Parce que si, sauf si je me trompe, les résultats du quatrième trimestre et du premier trimestre 2023 d'Apple n'ont pas été si brillants que cela, avec notamment des baisses de chiffre d'affaires et de résultats. Bon, baisse à la marge, mais... Oui, non, bah, on vient, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que effectivement, est-ce que 30 fois les bénéfices c'est bien ou est-ce que au contraire 40 fois, enfin, on est dans un domaine où la rationalité est quand même pas totalement évidente. Ce qui est vrai, c'est que parmi les GAFAM, comme on disait, Apple finalement était l'investissement le plus raisonnable si on compare les mêmes taux avec des sociétés comme Amazon qui gagnent beaucoup moins d'argent ou même comme Google ou Facebook qui sont extrêmement profitables mais qui n'ont pas le niveau de rentabilité d'Apple. Alors après, est-ce que ça va durer? Non, évidemment, ça va pas durer. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres engouements, il y aura des déceptions. Là, on a vu, par exemple, ce matin, le Financial Times rapporte que Apple a des difficultés à mettre au point son casque. Alors c'est important parce que le casque qu'ils ont présenté il y a quelques semaines, c'est supposé être un peu l'iPhone du futur, c'est-à-dire une nouvelle conception de l'informatique. Ils misent beaucoup là-dessus, mais ils vont en faire des quantités très très faibles. Visiblement, ils n'arrivent pas à tenir leurs objectifs de production. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit cet article du Financial Times. Ils n'arrivent pas à tenir l'objectif de production, donc ils vont rabaisser pour 2024 leur objectif. Peut-être des informations comme celle-là, puisque on est sur l'avenir et donc sur le remplacement un jour de l'iPhone. Peut-être ça potentiellement ça peut réduire la valorisation de l'entreprise, puisque bah, les bénéfices actuels on les connaît, mais ce que le boursier achète, c'est évidemment les bénéfices futurs.
Un casque d'ailleurs qui serait vendu à plus de 3 000 $, hein, soit dit en passant. Est-ce que le titre, et on revient, on tourne autour du sujet, et on va se quitter là-dessus, Philippe, on s'interroge évidemment pour ceux qui nous regardent sur le potentiel d'Apple, et on revient à la question du successeur potentiel de l'iPhone qui génère toujours 50% du chiffre d'affaires de la firme à la pomme. Oui, c'est vrai qu'on tourne autour de ce sujet depuis de nombreuses années. Et à chaque fois que, évidemment, Apple présente un produit, on dit, alors, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Il y a eu, on a connu ça avec la montre connectée, qui finalement, après des débuts un peu laborieux, marche plutôt bien, mais ça n'est pas le remplaçant. Alors, effectivement, est-ce que cette histoire de casque, elle sera? Ça le sera peut-être. Mais sûrement pas à court terme, parce que justement c'est extrêmement compliqué avec un objet qui lui-même est très cher. Mais ça en a le potentiel dans la mesure où c'est supposé être une nouvelle interface, un petit peu comme l'a été l'iPhone, une nouvelle interface de la communication numérique, puisque c'est une espèce de plateforme qui sera en plus évidemment tout à fait indiquée pour se lancer dans le monde virtuel. Donc on peut très bien effectivement imaginer que ça peut l'être, mais en tout cas ça le sera sûrement pas avant plusieurs années. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.